trop peu, s'il dort trop ou trop peu, s'il ne sait pas trouver l'équilibre entre le travail et la détente. Ensuite, le Seigneur est souverain de tous les astres et de tous les anges, de toutes les différentes graduations d'êtres angéliques, ami et bienfaiteur de tous les êtres, extrêmement important. Dieu est l'ami et le bienfaiteur de tous les êtres. Donc, si nous avons, nous, cette conception que Dieu est notre ami, il n'y a pas de raison de nous mettre en colère contre lui ou de récriminer contre lui. Même si ce que nous vivons dans le moment nous semble difficile, injuste, incompréhensible. Et grâce à tout ça, le sage trouve la cessation des souffrances matérielles. Donc, avec cette connaissance de qui est Dieu, eh bien, on atteint cette paix intérieure. Donc, juste un dernier petit verset qui est lié à ce que nous traversons depuis quelques mois, qu'on appelle la crise économique. Dans la Sri Upanishad, qui est un des plus anciens textes de l'humanité, un des Upanishads, le mantra 1, Ishavasya midam sarvam, yad kinka jagatyam jagat, tena tektena bunjita magrida kasya suidanam, donne la solution. De tout ce qui existe dans cet univers, de l'animé comme de l'inanimé, le Seigneur est maître et possesseur. Chacun doit donc prendre uniquement la part qui lui est assignée selon ses besoins, sachant bien à qui tout appartient. Donc si les hommes suivaient cette petite recommandation en prenant... Merci Bernard, et puis merci aussi pour le clin d'œil peut-être involontaire au bouddhisme, mais le bouddhisme n'est pas là aujourd'hui. Mais parce que les quatre vérités du bouddhisme, c'est dans ce monde on rencontre beaucoup de souffrances, c'est une vérité. Ensuite il y a donc la cessation de la souffrance, il y a l'origine de la souffrance, et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Et donc, voilà, hein, je pense que... Notre corps, et de nos attachements, d'où la problématique du jeune homme riche, parce qu'il avait des grands biens, c'était difficile pour lui. Donc, c'est l'attachement, c'est cette identification à nous-mêmes, y compris à nos actes, y compris à nos actes pieux, justement, qui empêche l'humilité, qui empêche justement d'être en relation avec Dieu. Il y a ce passage aussi dans l'Évangile où il est dit, lorsque tu pries, ne te mets pas au carrefour en faisant savoir à tout le monde que tu es en train de... Si tu fais des pénitences, ce n'est pas la peine de montrer à tout le monde de faire une tête de carême ou une tête de... Donc c'est quelque chose, c'est dans le secret de ton cœur entre toi et Dieu. Donc les austérités, étant donné qu'on est incarné, qu'on a pris un corps matériel, pour l'instant dans cette vie, on va devoir souffrir de la naissance, c'est souvent une épreuve, de la maladie, de la vieillesse, et finalement de la mort de ce corps. Et la mort de ce corps est douloureuse, qui est revêtue temporairement. Ce corps a une forme parce que l'âme a une forme. C'est comme ta chemise et ton pantalon ont une forme parce qu'à l'intérieur, il y a un être qui a une forme. Donc parce que l'âme, parce que Dieu est une personne et qu'on est fait à l'image de Dieu, nous sommes des personnes. Nous sommes des personnes momentanément illusionnées, comme des personnes qui sont mises en prison. Parce qu'elles ont justement violé la loi, leur liberté elle est restreinte pendant une période de temps. De la même manière, nous sommes dans des erreurs. Comme. Allez, parlez. Au qui qu'il y a ? Bye. Porque María Eugenia murió hace 62 años. ¿Qué? Yo no tengo el nombre. María Eugenia Krishna. No, Madhava. Madhava Drassi. Madhava Drassi. Ok, ¿tú vas a visitar a tu marido? Sí. Esta la quita el guía. ¿Qué le vas a dar de comer a las deidades? ¡Rau! María Eugenia. Me has pillado con las manos. Mala bala, sí. Con las manos en la masa. Sí. Y con los servicio. Mala bala, sí, pero con los ojos. ¿Con las manos qué? ¿Cómo? Mala bala. Con las manos en la masa. ¿En la masa? Masa, esto se llama en español, se dice masa. Ah, oh, entonces... Mala bala, sí. Se dice también que las manos en la masa cuando te pillan haciendo algo malo. Oh, te pillaron con las manos. Y que se acaba de comerciar, no.
ya son. Ok, María Eugenia, un saludo para Chile. Dabú, me llamo Mada Bardassi. Mada Bardassi. Arriba con todo mi respeto y todos mis cariños a Chile, a todos los deportes del Señor. ¿A la selección chilena? A los altos. Chile, a los altos de Chile. Sí, a Santiago. Del señor Krishna. ¿A Santiago? A Santiago de Chile. Santiago Bandí. Voilà, donc ils vont amener les petites choses. Hein, vous pouvez arrêter.